Le moment est venu de voir la composition. Salut tout le monde! Je te rappelle que le Grand Prix se déroule dans le pays de notre fournisseur moteur. Il faut le remettre plein la vue. Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec la Haas F1 Team. On est à Monza pour ce Grand Prix d'aujourd'hui. On part 15e. 13e, oui, il est 15e. Oh oui, clairement, il est 15e. J'ai été tout dans la style à tirer. Il faut maintenant se concentrer sur le reste de la course. Tout en vitesse. En vrai, je sais pas où aller, est-ce que je refais autre pour faire ou que je m'en vais sans m'inquiéter. Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur. Constater un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. Là, ça va oublier, c'est bien. Ça fait bien penser dans ce niveau. Ouais, moi j'attends la vidéo. Ça sortira pas mon arrivée à temps. Il y en a déjà pour encore une semaine et deux. Mais j'attends, j'ai une semaine complète de vidéos pour faire déjà. DRS autorisé dans ce tour, on peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Fait que... C'est vraiment pour ça que vous vous demandez pourquoi je suis capable de faire autant de vidéos avec l'école là. Mais c'est à cause que j'enregistre plusieurs puis j'ai fait juste les programmes et puis, la chose est faite. N'avez pas de flashback à date. La charge de la batterie est élevée. Utilise le bouton dépassement pour hausser le rythme. Allez, faux course! Tu es à la 13e place, 13e. Verstappen devant. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,1 secondes. Les choses des pneus tendres usés. Vettel est derrière toi. Il est à moins d'une seconde. Ils ont de nouvelles gommes tendres. Notre retard sur la voiture de tête est de 9,8 secondes. Encore 4 tours avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. 11 tours restants. J'ai réussi à amener Vettel avec la Ferrari, ça veut dire dégueulasse. Ah, good vibe la manette. Ah, good vibe.
sais, quand tu rends juste à contrôler une Ferrari, mais avec ça. C'est dommage avec une. Avec le mode dépassement qui est malheureuse, là. Ça a des problèmes, là. Mais les Red Bulls sont loin pour vrai. 11 et 12, hein. C'est rare qu'on voit ça. C'est rare qu'on voit ça, 11 et 12, les Red Bulls. Hein. En gros, il se passe quelque chose à faire le blanc, mais c'est... Peut-être pas aller chez Red Bull, Flamer. Ça sera chez Alpine, Alpha, McLaren et Aston Martin. Peut-être pas racheter chez Haas non plus. Pour racheter chez Haas toute la fin de ma 5 carrière. Ah, drapeau jaune. Ah, bruit moteur pour Ocon. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Quelques infos à propos de Ocon, ils sont forfaits. Ah, j'avais tant ça qu'on a ça à rattraper Max. Tu verras, il y a le travail par Aston Martin. Avec la reine deuxième, pas pire. Verstappen attaque 13 et c'est fait pour Max Verstappen. Qui passe 10e du Grand Prix. On est toujours 12e. On a gagné une place. C'est un départ pas trop catastrophique. Pas trop dégueulasse. Avec la voiture qui nous précède est de 1,6 secondes. Je te conseille de rentrer au stand pour réparer. Tu vas bien? Oh. Ne bouge pas, les commissaires arrivent. Attends, je revois le crash. Je revois le crash. Ok, là, il nous sent pas aussi. Ouh. Ouh, ça a cogné fort, man. Bon, j'ai le droit à 1 par course, hein, ça j'avais dit. Ça rentre pas au sound pour la Mercedes. Ça va pas. Ça rentre au sound pour pas ça.
Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Oh, 114. Ah, il y a une barre pour ça. Il y a une bagarre derrière entre ça et le L'écart avec le pilote de devant est de 4,3 secondes. Rentrez ce tour. Compris, tu rentres dans ce tour. Non, la Williams. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Ouais, je suis en train de passer. C'est le Japon, je pense que je vais le simuler. Fait que vous n'aurez pas de vidéo du Japon depuis le reste de ma carrière. Parce que le Japon, je suis pas capable non plus. Fait que le Japon, c'est comme Monaco, ça. Et je me fâche beaucoup. Oubliez de prendre. George rentre au stand. George est au stand. George rentre, la Mercedes sort. Bon, on va le net. On est rendu au 9e tour après, là. C'est vrai, là. Tirer parti de l'énergie générée. Elle a tiré en haut, mec. Utilise le bouton dépassement. Notre retard. Il y a deux d'arts sortis en moins, hein. Ouais. 16,0 secondes. Ça, il ressort souvent en moins. Mais peut-être des co-freinages qu'avec une voix. Oh, j'ai failli le détruire, mec. Oh, j'ai failli le détruire. Check ça. Oh boy, tu check ça comment j'ai fail détruit, man. Ah, c'est ça comme ça. Bye bye. Et genre, mais comme décalé un peu ce freinage après ça parce que je détruisais. Je vois ça, puis moi on était plus en vie.
les Alpins, ils sont pas bravos. Faut jouer dans les gavards. Bon. Ça va? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. Bon, gang! Oh, mais tu viens me rentrer dedans après, what the fuck? Mais... What the fuck, là où? First, la roue qui est là, mais je suis en bas comme Masters. Puis... On dit du carton, ça? What the fuck? Putain, juste m'avancer pour voir. Cette niveau sont bien good. T'en vas là-bas. Ah, c'est pour moi, c'est pas du carton. Mais la roue, moi, nous le défile. Pour moi, c'est pas du carton. Ah, pour lui non plus. C'est du cas. Mais... pareil. Bon. Ouais. Non, mais j'ai le droit... Mais j'ai dit j'avais le droit juste à un. Fait que, guys... C'est triste comment assassiner le Grand Prix de Monza, mais... Je souhaite d'avoir un meilleur l'an prochain, hein. Fait que je vous dis au revoir. Fait sur la reprise, je vous dis au revoir. Fait que monte à la reprise. J'ai départé puis j'ai en fait un peu de la reprise. Bon. On va aller voir les résultats de la course. L'écurie Mercedes. Pas la meilleure fin qu'on souhaitait, mais... Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Mais c'est ça qui est ça, hein. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Je vote pour le Finlandais volant. Oula, ça commence à faire beaucoup de Finlandais volants. Bref, je faisais référence à Bottas cette fois. Il a su aller vite et puis il a très bien géré le trafic. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Bon, là c'est vrai, guys. Épuisé et comblé par ce je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.